Dans mon quotidien de prof de maths, j'ai compris que l'usage des vidéos était devenu indispensable. Si je voulais développer l'autonomie des élèves et prendre en compte les difficultés des uns et des autres, je me devais de fournir de nombreux contenus vidéo en libre accès pendant mes cours. Ce que j'ai pu faire grâce aux tablettes numériques mises à disposition par le conseil départemental. En parallèle, nous avons créé une web radio et une web TV à l'école ouverte. Fort de ces expériences et de mes connaissances, j'ai motivé mes collègues de lettres et d'anglais à utiliser ces outils. C'est dans ce contexte qu'on a décidé de créer cette web série en anglais et que j'ai initié un travail de fluence à l'aide de la web radio. Web radio, c'est d'abord une voix, avec une double nécessité pour les auditeurs, comprendre la voix que l'on entend et comprendre le contenu de ce qu'on veut nous transmettre. C'est pour cette raison qu'un travail en partenariat avec la web radio est une bonne idée sur le plan pédagogique. En effet, les élèves lisent silencieusement en classe ou écoutent la lecture du professeur, mais ils ont rarement l'occasion de lire à voix haute devant leurs camarades, devant un auditoire. Or, cela nécessite un vrai apprentissage. Savoir regrouper la lecture, les mots qui forment sens, respecter la ponctuation, mettre l'intonation sur les mots-clés, mais aussi et surtout adopter un rythme de lecture permettant d'être compris, de même qu'un volume et une articulation adaptés. Les premières versions des enregistrements permettent aux élèves d'entendre leur voix, mais aussi leurs hésitations, leur rythme, trop souvent rapide. Ils se rendent souvent compte que la lecture n'est pas forcément compréhensible pour qui n'a pas le texte sous les yeux. Les versions suivantes leur font prendre conscience des améliorations apportées parce qu'ils sont plus vigilants. Cette vigilance, qui est permise par la web radio, est un facteur essentiel à leur progrès. Et pour terminer, le côté plus moderne et aussi plus ludique de la web radio permet de faire de la lecture à voix haute une activité beaucoup moins effrayante pour bien des élèves. Et les effets se font ressentir aussi lors des cours de français. Je me souviens par exemple d'un collègue qui disait que le pire endroit en fait pour apprendre l'anglais, c'est la salle de classe. C'est très artificiel. Avec la web télé, on peut faire apprendre l'anglais autrement. Les élèves sont tous volontaires déjà. C'est sur la pause méridienne et on travaille l'anglais dans un autre contexte. Séance type, on va avoir un groupe qui travaille sur un scénario, on va avoir un groupe qui travaille plutôt les dialogues directement en anglais. Et après seulement, on filme les scènes, alors sur la pause méridienne ou alors à l'école ouverte. Ça nous permet d'avoir les journées entières pour filmer. Au sein du club, les élèves bénéficient d'une réelle immersion dans la langue. On ajoute à ça le fait que le matériel vidéo les fascine et donne une autre dimension par rapport à un apprentissage classique de la langue. On a aussi d'autres compétences, par exemple pour tout ce qui est mise en scène, création des personnages, ils sont obligés à prendre des décisions. La technique et ses limites les met face aux problèmes qu'ils doivent gérer dans l'urgence. Et pour finir, les simples compétences en anglais ne suffisent plus. Il y a aussi tout ce qui va être acteur, il va falloir s'imprégner des séries américaines, des clichés, etc. Je trouve que cette série fait passer un bon message contre le harcèlement, elle pourra peut-être en aider certains. Ça nous a permis de travailler l'anglais et d'avoir un autre lien avec nos professeurs. Et ça m'a permis aussi de vaincre ma timidité et de sortir de ma zone de confort. Les adolescents aujourd'hui s'informent beaucoup sur Internet et d'une manière générale utilisent énormément les médias numériques. Pour le collège, c'est une chance d'avoir des enseignants qui s'emparent de ces outils dans le cadre de la construction de leurs cours. C'est non seulement la réalisation qui fait démarrer l'apprentissage, mais aussi la diffusion des vidéos et des enregistrements audio. Titre d'exemple, la série Linda sert dans les cours de SECPA, elle est utilisée pour apprendre l'anglais, elle est aussi utilisée pour sensibiliser les élèves sur le sujet du harcèlement.